C'est pour moi un plaisir et un immense honneur. Programme de bourse d'études MOFA et ICDF du gouvernement taïwanais. J'aimerais en la circonstance souligner l'importance de l'éducation dans le développement d'une société. Elle enrichit la culture, l'esprit, les valeurs et tout ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. L'éducation est nécessaire dans tous les sens. Par exemple, pour atteindre de meilleurs niveaux de bien-être social et de croissance économique. Pour mettre à niveau les inégalités économiques et sociales. Pour accéder à de meilleures possibilités d'emploi. Pour renforcer. C'est dans cette optique que je salue l'initiative conjointe du gouvernement haïtien pour avoir mis en place cette coopération en éducation qui date des années 2000. Il faut aussi dire que la relation d'amitié entre les deux pays est étroite et leur coopération de taille. Taïwan fait partie des pays du monde ayant un niveau d'éducation hautement respecté et rigoureux. C'est pour moi un plaisir et un immense honneur. Programme de bourse d'études MOFA et ICDF du gouvernement taïwanais. J'aimerais en la circonstance souligner l'importance de l'éducation dans le développement d'une société. Elle enrichit la culture, l'esprit, les valeurs et tout ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. L'éducation est nécessaire dans tous les sens. Par exemple, pour atteindre de meilleurs niveaux de bien-être social et de croissance économique. Pour mettre à niveau les inégalités économiques et sociales. Pour accéder à de meilleures possibilités d'emploi. Pour renforcer. C'est dans cette optique que je salue l'initiative conjointe du gouvernement haïtien pour avoir mis en place cette coopération en éducation qui date des années 2000. Il faut aussi dire que la relation d'amitié entre les deux pays est étroite et leur coopération de taille. Taïwan fait partie des pays du monde ayant un niveau d'éducation hautement respecté et rigoureux. Selon un classement mondial des universités QS 2018, les universités taïwanaises figurent parmi les meilleures d'Asie et du monde. En ayant accès à une éducation de qualité dans ces universités, nous sommes convaincus qu'Haïti va bénéficier grandement de nos compétences. L'anglais. Pourquoi je dis l'anglais? Parce que dans un environnement où on n'aura pas la possibilité de parler français et créole tout le temps, on aura la nécessité de développer l'anglais. D'ailleurs, les ouvrages, il y a beaucoup d'ouvrages anglais-français, les étrangers qui sont là-bas, qui ne parlent pas chinois aussi. Vous devez vous débrouiller pour parler anglais et chinois. Donc pour moi, après 3 ans, j'avais 2 langues supplémentaires. On était déjà à l'école ici, mais il n'y avait pas aussi la capacité de parler et couramment, jusqu'à ce que ça m'a donné l'opportunité de développer ces capacités. Maintenant, c'est une occasion aussi de rencontrer une culture. Pas seulement faire des études, appliquer, faire des notes, réussir, mais aussi c'est la découverte d'une nouvelle culture.
la culture chinoise, la culture taïwanaise, mais asiatique de manière générale. Mais aussi, vous aurez la possibilité de voyager, parce que Taïwan appartient quand même à un espace Asie du Sud-Est, assez proche des autres pays. Donc si vous avez la chance, vous êtes passionné par le voyage, par le tourisme, c'est une bonne occasion. Parce que si je suis ici, je dois me rendre à Hong Kong, c'est quand même un coût élevé. Mais je suis à Taïwan, ça fait une heure et demie, ça fait moins que $200 américains. Donc on a la chance aussi de visiter des pays assez proches comme Hong Kong, comme Macao, comme la Grande Chine, comme Thaïlande, comme Corée du Sud, même Japon, qui sont quand même à moins de 3 heures et qui ne devraient pas coûter trop cher. Mais aussi une bonne occasion pour vous amuser. Parce que vous n'allez pas être à Taïwan uniquement avec un ordinateur et votre lampe dans votre chambre et pour étudier tout le temps, sans arrêt. Vous devez vous amuser aussi. Ça fait partie de la vie de jeunesse, des études. Moi-même, j'ai même eu la chance de faire de la musique à certains moments. Chanter, participer à des shows TV, Marcus également, d'autres personnes. Pour nous, c'est une façon nous amuser, mais aussi de participer dans la société, de l'intégrer de manière intégrale. En fait, de l'intégrer de manière générale, pardon. Maintenant, en gros, c'est ça, mais juste pour terminer, je dois vous dire qu'il y a une phrase, il y a une question qu'on va vous poser tout le temps, pendant 3 ans. Peut-être vous allez vous sentir fatigué avec ça. À chaque fois qu'on vous voit, on va vous demander, quelle est votre origine? Ni tsong la lida, ou bien ni shinaï gegoja, je ne sais pas, de la manière qu'ils vont formuler la question. Vous êtes de quel pays? Et quand vous dites Haïti, maintenant il y a des gens qui ne savent pas où est-ce que Haïti est. Est-ce que Haïti c'est Fejo, c'est Africa? Non, ce n'est pas Fejo. C'est-à-dire que cette question va venir tellement, des fois vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu même fatigué, mais ne vous en faites pas, on va, parce que vous êtes quand même assez particulier, parce que ce ne sont pas beaucoup les Noirs comme aux États-Unis ou comme en France. Donc, et maintenant, en gros, la question c'est que vous ne devez pas avoir du stress et c'est une expérience extraordinaire qui, encore une fois, comme je dis, qui a changé ma vie. Donc, ce que je suis aujourd'hui, ça fait partie de ça. Donc, l'expérience Taïwan a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Et je suis persuadé que vous allez réussir, mais aussi profiter grandement pour apprendre au-delà des études, mais faire des amis aussi. Et pour retourner, et ça je dois le dire aussi parce que j'ai l'impression que j'ai vu Cécile dans la salle, on est peut-être les 2 sur les 8 qui sont en Haïti, donc c'est important de revenir aussi, de contribuer à la construction, à la reconstruction du pays, parce que c'est ça le message. Je suis persuadé que le représentant de l'État haïtien aussi va vous donner ce message, à savoir, vous êtes participé mais aussi retourner pour ce qu'on appelle un give back, parce que ce qu'ils ont fait là-bas, ce n'est pas un hasard, c'est une construction. Donc nous aussi, nous pouvons construire un pays. Et c'est justement pour ça que c'est important de prendre au sérieux les études, mais aussi surtout de retourner pour participer dans la construction de ce pays. Bon succès encore une fois, compliments et aux parents, compliments à vous. Merci à l'ambassade, à l'ambassadeur particulièrement. Merci tout le monde. Taïwan est un pays qui a toujours été proche du peuple haïtien. Et s'est toujours soucié de son sort. Taïwan s'est aussi toujours préoccupé à participer à la reconstruction du pays et surtout à s'assurer que ses actions de coopération aient un impact à long terme sur le développement d'Haïti. Et il n'y a pas de futur pour une société sans éducation. Et seule une éducation de qualité, une éducation spécialisée, permet d'affronter les défis de développement et d'améliorer le bien-être de la population. Nous savons que le gouvernement haïtien s'attelle à cette importante action. Pour contribuer sans délai à l'éducation des jeunes haïtiens, depuis 2004,
Chaque année, le gouvernement taïwanais a mis en position de nombreuses bourses d'études universitaires et supérieures dans les domaines productifs prioritaires pour Haïti. Il s'agit de deux programmes internationaux de formation supérieure en chinois. Il s'appelle Taiwan MOFA Scholarship et en anglais s'appelle ICDF Higher Education. Afin de répondre aux besoins du pays et à la sollicitation de Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, lors de sa visite d'État à Taïwan le mai dernier, pour l'augmentation du nombre de bourses d'études, le gouvernement de Taïwan a octroyé cette année 33 bourses d'études, soit 14 boursières de plus par rapport à l'année précédente. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour fêter leur départ. Et je saisis cette occasion pour les féliciter. Car ils ont été choisis par une sélection très compétitive et vont laisser le pays la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle culture et enrichir ses connaissances. Et je leur présente tous mes compliments et leur souhaite un grand succès dans leurs études à Taïwan. Au nom du président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, je salue la corporation taïwanaise, surtout au niveau de l'éducation, qui a commencé, je peux dire, en 2004, donc 14 ans de coopération au niveau de l'éducation. Merci à l'ambassade de Taïwan, merci au gouvernement taïwanais. Un applaudissement, s'il vous plaît. Et je peux dire maintenant, nous avons 33 Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, automatiquement, je vous promets une visite, et peut-être le futur ministre. Mais aussi en tant que jeune, c'est un plaisir de voir des jeunes et choisis et à travers le concours de cette coopération. Et selon l'ambassadeur et les membres de l'ambassade qui ont été choisis, pas seulement à Port-au-Prince, mais à travers le pays. Donc, est-ce que nous avons des gens qui sont dans le département nord là? Est-ce que vous avez?